Bonjour tout le monde, c'est HistoireRCV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes sur Subnautica. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous aider à trouver du nickel. Donc, je suis dans le Lost Driver. Donc, pour déjà arriver ici, il faudra avoir pour le. Si vous voulez y aller en Cyclope, faudra avoir l'améliorateur MK1. Si vous voulez y aller en Simoff, le MK3. Et puis vous aurez besoin déjà de la combinaison anti-radiation. Donc si y a ça, c'est près. C'est ce qu'il faut dire, c'est près de l'Aurora. Vous aurez aussi besoin de la combinaison Prone avec le bras Foreuse. Donc voilà, donc moi là je me suis installé à peu près à 580 mètres à peu près. J'ai fait ma petite base, j'ai mis mon truc. Mais si vous le mettez pas ici, près de là où je l'ai mis, vous ne trouverez pas de nickel sur la. Sur ça. Vous ne trouverez pas de nickel parce que c'est trop loin, à moins que vous mettiez une amélioration de distance. Oula non. Ah non, je vous le dis. Voilà. Donc ici si vous voulez vous alimenter, vous ne pouvez pas vous alimenter avec les panneaux solaires. De 1, donc premier point combat. Parce qu'on est dans une grotte en fait. De 2, ici on a une salle avec de la bio. Avec une machine à bio. Un bioréacteur quoi. Et dedans vous pouvez mettre des excréments ou alors des poissons. Ou de la vie des plantes je crois pour faire fonctionner. Bon là ici ça fonctionne pas très bien, c'est parce que j'en ai qu'un seul, mais après vous pouvez mettre un générateur thermique parce qu'ici il y a des sources de magma. Donc comme vous voyez sur la barre de thermostat là, je suis à 73 degrés, donc ça pique un peu. Ici on y trouve du quartz, des eaux, des trucs comme ça. Donc alors du diamant aussi, regardez comme là, mais bon, on trouve beaucoup de diamants, ça c'est pratique. Aussi beaucoup de lithium et de choses comme ça. Du lithium, de l'argent, du plomb, des trucs de cristaux comme ça. C'est bien. Donc il faut, pour, si vous voulez accéder à l'endroit où il y a du nickel, faut installer directement votre salle de scanner à 781 mètres à peu près. Donc vous voyez, regardez, il y a des eaux, des créatures. Apparemment ici aussi il y a du soufre cristallin ou je sais pas quoi. Voilà, bref, c'est par cette zone là que vous en trouverez des. Donc on descend directement, toc. C'est dans les sources de gaz. Donc ici vous pouvez pas y aller. Faut pas y aller sans être en pône. Parce que c'est de l'acide. Donc c'est vers 81, on a dit. 781 qu'on peut en trouver. Alors. Voilà. Donc vous voyez, il y a beaucoup de cristaux de quartz quand même. Une créature que j'avais pas encore découverte. Donc faites gaffe, d'ailleurs j'ai oublié de le dire pour ceux qui disent, si vous arrivez avec votre vaisseau, enfin votre vaisseau risque de prendre cher en haut à l'arrivée, tout là-haut, parce qu'il y a des anguilles, des espèces de serpents de mer électriques, je sais pas comment on dit. C'est ici qu'on trouve. Oh! Le soufre cristallin, on le ramasse aussi là-dedans, tiens, apparemment. Ce que je viens de voir. Parce que, en fait, ça. Je tiens à vous dire, c'est quand même la première fois que je trouve du soufre cristallin, donc je suis plutôt fier de moi. Plutôt content, donc. Comme ça, je vous donne deux astuces en même temps. C'est pratique. Wow. C'est magnifique. En vrai, les grottes là sont magnifiques. Ah là, voilà, regardez.
Là, c'en est à deux. Normalement, c'en est à deux. Voilà, nickel. Oh, il faudra bien forer comme ça. Tranquillement. Voilà, faut forer. Toi-même, tu connais. Hop là. Voilà. Bon, après, moi. Voilà. J'ai installé une petite base là, mais. J'ai plusieurs bases. Oula. Moi, en fait, j'ai une base sur la une base terrestre. J'ai une base très profonde, donc celle-là en général. Celle-là, donc. Puis une un peu moins profonde vers vers le point de départ, quoi. Donc voilà. Donc en fait, c'est dans ces zones de soufre, les lacs de les mers de soufre. Je sais pas comment dire ça. Voilà, les rivières de soufre, pardon. D'acide, oh, je n'arriverai pas. Dans ces rivières d'acide, on trouve du soufre cristallin, on y trouve du nickel, mais tout ça en fait, il faut la combinaison du pawn. Sans la combinaison pawn, on peut pas les avoir à moins de subir des dégâts. Sachant que le nickel, le soufre cristallin et tout, c'est très important en vrai. Donc voilà, donc c'est dans les rivières là, cherchez, vous en trouverez forcément. Là, il y a beaucoup de quartz, il y a du titane, il y a du cuivre, il y a des blocs de titane, des blocs de soufre, de non pas de soufre, de plomb, des blocs, il y a plein de types. Non, merde, c'est là-bas. Non, non, j'y suis pas encore allé ici, et je risque de piquer un peu. Donc je suis pas encore allé dans celle-là, mais comme là comme on a le soufre et tout, je vais pouvoir faire des prochaines vidéos avec ça. Donc on va remonter, on va remonter vers notre base. Ah, mais laissez-moi passer, oui. Allez, je vous ferai aussi des vidéos comment avoir certains objets, par exemple la combinaison pawn. La console pour améliorer les trucs, le simoff et le comment ça s'appelle, le cyclope, il n'y a pas de problème et tout, ou aussi pour avoir la salle multifonction, ça c'est pratique, mais bon, il y a beaucoup. Le Lost River, en fait, c'est une vraie mine d'or. On y trouve de tout. Il y a même des gros blocs d'or. Et ça, franchement, c'est vraiment pratique. Et là, vous voyez qu'on est très profond. Il y a même regardez, des blocs de lithium au calme. Donc, si vous en cherchez... Bon, pour en chercher, venir chercher du lithium ici, c'est pas très bon. Je vous conseille, si vous êtes pas bien si vous êtes bien équipé pour le lithium, je vous conseille plus d'aller en chercher dans les mushroom forest. Donc parce que là-bas en fait on y trouve de tout. On y trouve aussi bien du sel que du titane, que du plomb, que de l'argent, que de l'or, que du lithium. Là-bas on y trouve de tout sauf du nickel. On peut même trouver du diamant, mais bon, ici on trouve, on peut trouver du cuivre. Non, attends, non on peut pas trouver de cuivre, pardon, désolé. En tout cas, moi je n'ai pas encore trouvé du cuivre dans cette zone parce que c'est légèrement profond. C'est assez profond du coup, voilà. Donc là il y a du, regardez, si on se rapproche en fait des sources chaudes, on peut voir directement qu'il y a des blocs de diamants, mais directement posés. Viens là, tu feras ma bioréacteur, bon, tu serviras dans le bioréacteur. Voilà. Comme là, regardez, là on voit.
Excusez-moi, j'ai bugué, ma manette a bugué. Donc voilà, vous pouvez voir des trucs. En vrai, ce qui fait que ce soit beau, là en fait on a des colonnes, des os de Léviathan. Vous voyez la créature, la méchante qui t'éclate quand tu rôdes vers le cyclope. Non, vers l'aurora. Bah, cette créature, on la retrouve. On la trouve et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va en déconstruire un. Pour mes raisons. Voilà, tac. Donc on a trouvé beaucoup de choses. Donc là-dedans, vous voyez que j'ai beaucoup de plomb, du cuivre. Voilà, j'ai tout. Alors, venez voir qu'est-ce qu'on a un peu. On peut améliorer ici. Attendez. Parce que j'ai trouvé un truc qu'il me fallait en main à fond. Est-ce que j'ai des nouvelles technologies? Non. Apparemment, le soufre cristal, on en a pas plus besoin que ça. Donc alors, bref, donc ça va être, c'est tout pour cette vidéo les amis. Donc si vous voulez trouver du nickel ou quoi que ce soit, vous avez qu'à regarder cette vidéo. Et je pense faire des autres vidéos à propos comment trouver des schémas ou des autres sources. Et ben je serais ravi de vous les donner. Je serais ravi de vous donner tout ça. Voilà. Donc je vous dis bon, à la prochaine, écoutez. Et pour une nouvelle vidéo.